l'air, c'est pas conducteur de chaleur. Fait que tu peux chauffer jusqu'au point de fusion, puis de tenir le verre à un pouce et quart à côté, puis sans brûler. Je commence un sablier avec des sections de ballon qui sont déjà préparées. Alors là, je vais installer mes poignées qui sont aux extrémités. Fait que là, présentement, je mets une poignée au ce qui va devenir le centre. Quand ça va être bien pris, je vais pouvoir retirer le ballon du choc, en bon français, et puis aller me mettre une rod comme poignée. Après, je vais venir le recouper ici, faire ça avec un deuxième ballon, puis après ça, lier les deux ballons ensemble et faire le sablier proprement dit. Mon système d'accrochage, c'est un peu particulier la façon dont je fais mes sabliers. C'est pas ce qu'on est, les sabliers conventionnels avec une armature en métal ou en bois qui sert de pied. Moi, mes sabliers sont accrochés par le dessus au lieu d'être déposés sur une table. En tout cas, les modèles sur lesquels je travaille en ce moment, là, cette collection-là. L'autre étape, c'est un peu comme la première étape. On fabrique l'autre segment du sablier. Parce qu'un sablier, c'est deux boules. Ça nous prend deux boules qui, après, on va souder ensemble. Fait que là, on va préparer la deuxième. Pourquoi il y a une petite clé ici? Ça. Quand on a fabriqué le ballon, ça fait un petit wave, puis on appelle ça un effet loop à cause de la courbe. On va le couper ici pour, avant de souder sur l'autre. D'abord, on va le mettre sur une poignée. Regarde bien. Faire attention pour ne pas couper quand tu l'as. On va faire très attention. Les petits papiers que je mets ici, c'est étant donné qu'on chauffe le verre, il y a le coefficient d'expansion. Ça fait une petite zone tampon pour s'étendre sans briser dans le mort. Deux paires de lunettes parce que t'en mets une pour voir puis une pour te protéger? C'est un peu ça. Il y en a une, c'est pour ajuster à ma vue. Les lunettes de lecture. Papa, rendant son âge, a besoin des lunettes de lecture. Et les lunettes foncées, c'est pour voir au travers la flamme. Wow! À cause de la fumée du feu. Oui. Puis le ballon, il n'est pas noir à cause que tu protèges avec le papier et puis ça? Non, c'est parce que j'ai... La flamme, quand on baisse sa température, à un moment donné, l'oxygène, il n'y a plus assez d'oxygène pour brûler tout le propane. Ce qui fait que ça laisse un résidu de propane qui a été juste carbonisé, mais pas complètement. C'est quoi un résidu? Un restant. On dirait de la colle. Le verre devient mou, un petit peu comme de la cire. Puis de la colle. Oui. Quand tu l'enlèves, on voit le pupille, alors on dirait de la colle. Mais de la colle pas sèche, là. Oui, ou de la cire d'érable, du sirop d'érable. Moi, j'ai appris comment ça... Dans une émission de télé, j'ai appris comment ça se fait que... C'est une vraie émission qui apprend de faire de vraies choses, là. J'ai appris comment ça se fait que... Quand c'est en dedans, ça colle pas sur le tuyau. C'est parce que quand on ouvre le bouchon, la colle sort. Mais là, il y a un peu d'air qui la fait coller. C'est pour ça qu'il faut bien coller le bouchon. Et sinon, on ne peut plus remonter la colle ou elle colle sur les côtés. La prochaine étape,
on va joindre les deux ballons qu'on vient de faire et on va commencer à fabriquer le sablier proprement dit. Maintenant, je viens d'installer mes deux ballons. On va les joindre. Tantôt, mon papa a allumé le four. On va aller vérifier si le four est à la bonne température. En attendant que le four soit à la bonne température, on va aller installer les sabliers qui sont déjà faits dans les structures, les sculptures qu'on va faire. On va le faire ensemble. Une fois qu'on a terminé un segment, ça ressemble un peu à ça. J'installe toujours un bouton pour pouvoir l'accrocher. Et la partie qui est assez importante, c'est le boulot d'étranglement par où le sable passe. Donc ça ressemble à ça. Puis la dernière étape, c'est de joindre les deux ballons ensemble. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir me voir travailler à l'atelier. J'ai passé un moment présent extraordinaire avec toi, Maïté. Tu fais des belles